chambre, sur la dernière lettre qu'écrit Thérèse, c'est sûr, très important, les dernières paroles des saints. Sa dernière lettre, très simple, elle écrit à ses frères spirituels, qui étaient séminaristes, avec des lettres. Elle lui fait juste tout tirer. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Nous allons le lever, les scriptures. Toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Alors, ce chant nous introduit dans cette méditation sur la prière, puisque l'état de grâce, c'est une démarche de prière. Et en fait, ce chant, il nous dit, il nous parle des deux dons du Saint-Esprit qui animent notre prière. Vous rappelez les sept dons du Saint-Esprit? Les sept dons du Saint-Esprit, par alors, l'intelligence, la science, la sagesse, la force, le conseil. Et bien, il y en a deux qui vont nous aider à prier. C'est la piété et la crainte. Alors, je ne puis craindre un Dieu. Enfin, on craint un Dieu, craint. Oui, mais attention, on se perd de craindre. Parfois, c'est même traduit dans les psaumes. Qui fait peur du Seigneur, qui fait peur du Seigneur, la terre entière. Non. Ce qui nous intéresse de nous dire, c'est que cette crainte de Dieu, c'est un mouvement d'amour qui nous projette vainqueur de Dieu. C'est pas une peur. Tant Thérèse avait son rigorisme encore très très fort. Aujourd'hui, en fait, le rigorisme, il est dans notre cœur. Qu'est-ce que mon Dieu a pu faire pour qu'il m'arrive cette vie? Parfois, ça nous arrive de penser comme ça. Peut-être pas vous, parce que vous êtes déjà très ancien sainteté, mais. Vous voyez, en nous, on a parfois une mauvaise crainte. Alors, donc, de l'introduire, si nous allons vivre ce soir, je vais vous poser une petite méditation sur la prière à l'école de Thérèse. Alors, ce sera très simple. Ah oui, là, ça sera très très simple. On va juste essayer d'écouter ce que Thérèse nous dit sur la prière, non pas dans notre culture générale, mais pour essayer d'être un peu des souvenirs à revivre. Voilà. Alors, comme vous savez, Thérèse a dit, la prière, c'est un élan du cœur. Un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Un cri de reconnaissance et d'amour. Au sein des preuves comme au sein de la joie, enfin c'est quelque chose de grand et surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. La prière, pour Thérèse donc, c'est une rencontre tout simplement, une rencontre aussi une vie avec Dieu. C'est vrai que l'Écriture nous dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7. Super. Priez sans cesse, priez toujours pour les autres. Priez sans cesse. Voilà. Alors, la petite Thérèse, elle a pris la décision de prier sans cesse, c'est-à-dire d'être dans la présence de Dieu, parce qu'on va faire la prière sans cesse, on va essayer de vivre sous le regard de Dieu, ça c'est la prière perpétuelle. Alors, elle a pris cette décision assez tôt, à 6 ou 7 ans. À 6 ou 7 ans, elle raconte. Elle est à Trouville avec sa sœur, Pauline. Et elle regarde le coucher du soleil. Et elle remarque que le soleil fait un rayon d'or sur la mer. Alors elle veut être ce petit vaisseau qui reste sur ce chemin d'or. Ça, c'est la prière. C'est une présence. Dieu nous regarde.
non pas comme le pensait un écrivain assez connu, l'œil dans la tombe, regarder vers un plus. Non, ça c'est pas l'œil de Dieu. Mais Dieu nous regarde, cherche à ton, où es-tu ? Cherche chacun de nous. Et voulant qu'il s'ouvre son regard. Ça c'est la prière de Thérèse. Cette prière est une communion. Communion avec un Dieu qui est Père. Et c'est parce qu'il est Père que nous avons besoin d'être toujours, je dis bien toujours, en sa présence. Pourquoi vivre loin de la vie lorsqu'il a dit « Je suis la vie » sans besoin de vivre en sa présence? Parce qu'il est Père, mais aussi parce qu'il est époux. La prière de l'Église, la prière de l'épouse, pour l'époux. J'ose attendre la communion qu'elle fait à 11 ans. Elle dit, elle raconte, c'est un baiser. Un baiser de son âme. Depuis longtemps, je dis, la pauvre petite Thérèse était regardée et compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux. Thérèse avait disparu comme une goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul et était le maître, le roi. Thérèse ne l'avait peut-être pas demandé de lui ôter sa liberté. Car sa liberté lui faisait peur. Elle se sentait si faible, si fragile, que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. La prière, c'est cette présence à Dieu, qui est Père, qui est vie, qui est amour. Donnez aujourd'hui. Tu vis pour moi caché dans ton hostie. Je veux pouvoir me cacher au Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur, qui dure nuit et jour. Mon ciel, il est caché dans la petite hostie où Jésus, mon époux, se voile par amour. À ce foyer divin, je vais puiser la vie. Et là, mon doux sauveur m'écoute nuit et jour. Oh, quel heureux instant, lorsque dans ta tendresse, tu viens, mon bien-aimé, me transformer en toi. Cette union d'amour, cette ineffable ivresse, voilà mon ciel à moi. Cette présence, ça peut être une façon de vivre la prière. Vivre dans cette présence. En fait, quand Thérèse communique, elle demande la grâce que Jésus ne sorte pas du tabernacle, de l'intérieur, du cœur. Elle dit rentrer, mais tu n'en sortes pas. Et qu'elle non plus ne sorte pas du temple. Prier, c'est finalement apprendre à vivre avec le cœur, vivre d'amour, comme elle dira. C'est-à-dire ne pas vivre à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos facultés extérieures, corporelles et psychologiques, car nous sommes, vous et moi, des êtres spirituels. En nous, il y a des profondeurs, des racines qui sont en Dieu et qui ont besoin de rester avec elles.
Mais c'est cette belle image de Père Molinier qui décrit la présence de Dieu en chacune de nos âmes comme celle d'un naufragé qui est enfermé dans la coque, sous la coque du bateau qui vient de faire un naufrage. Et il frappe de l'intérieur et il dit « Laissez-moi sortir ». Alors l'appel à la prière vient de l'intérieur. La présence de Dieu, elle est là, en ton cœur. Et Dieu frappe. Il te dit, je veux sortir avec toi. Je veux m'entretenir avec toi. Je veux t'aimer. Mon bien-aimé, de ton premier sourire, fais-moi bientôt entrevoir la douceur. Et laisse-moi, dans mon divin délire, laisse-moi me cacher dans ton cœur. Oh, quel instant, quel bonheur, ineffable, quand j'entendrai le doux son de ta joie, de ta voix, quand je verrai de ta face adorable l'éclat divin pour la première fois. Alors, cette communion de la prière, j'allais dire en des termes assez terre-à-terre, ça décoiffe. Ça transforme, ça ne va pas nous laisser indemnes. Si nous acceptons de rentrer dans cette école de thérèse, de vivre sous regard de celui qui ne nous oublie à aucun instant parce qu'il nous aime. Alors, s'opère en nous une mutation, transformation. Une transformation eucharistique avant jusque-là. Cette transformation, Thérèse va la vivre. Elle a presque 14 ans. Elle vient de communier, on est un soir de Noël. Vous connaissez sans doute cette histoire. C'est l'histoire de sa complète conversion, comme elle dit. Elle avait reçu l'Eucharistie à la messe. Et Thérèse était une petite fille qui restait très blessée. Très blessée, car connaissait un peu son histoire. Elle a un peu accumulé les blessures. Puisque, alors qu'elle était bébé, elle est enlevée de la maison familiale pour être confiée à Rose, une nourrice qui est à la campagne. Première blessure. À l'âge de 4 ans, elle perd sa mère. Un peu plus tard, c'est-à-dire, 4 ou 5 ans après, si je ne m'abuse, elle perd sa deuxième mère, Pauline, qui rentre au Carmel sans la prévenir. Et là, elle croit devenir folle. Mais elle sera guérie au cours, à l'issue de la nouvelle de messe demandée par M. Martin à Notre-Dame des Victoires. Le jour de la Pentecôte, à l'issue de cette messe, elle voit le sourire de Marie. Et elle est guérie. Elle a 10 ans. Mais il va falloir qu'elle supporte aussi la disparition au Carmel de sa troisième mère, Marie. C'était finalement une fille très fragile. Il fallait qu'on s'en occupe beaucoup. Et elle dit en un instant ce qu'elle n'avait pas pu faire en 10 ans, depuis l'âge de 4 ans, Jésus l'a fait. Transformation. Il fut de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la
des yeux que je n'avais pas sentis aussi vivement. Je sentis en amont la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Alors, c'est ça, je sentis en amont la charité entrer dans mon cœur, effusion du Saint-Esprit, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, mais quand il s'agit de l'amour, c'est le mal, s'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je suis heureuse. C'est sa nouvelle naissance. La prière chez Thérèse, c'est une expérience qui nous conduit à la nouvelle naissance. J'allais dire, c'est comme le moteur. Saint Paul nous dit dans Colossiens 3:3, vous êtes morts, ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Vous êtes morts, ce que vous êtes caché avec le Christ en Dieu. Vous voyez ? Alors, si nous sommes effectivement ces enfants de Dieu, nouveau-nés, alors la prière, c'est comme notre nouveau moteur. On va fonctionner comme ça. Et Thérèse a dit, je crois tout simplement que c'est Jésus lui-même, caché au fond de mon pauvre petit cœur, qui me fait la grâce d'agir enfant, et me fait penser tout ce qu'il veut que je fasse au moment présent. Ça, c'est la vie vraie. Vous n'êtes plus l'orphelin de Jésus, la preuve. Prière de Thérèse, c'est le moteur de la vie vraie. Saint Paul disait aux Philippiens, il n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Rien, je le sens, lorsque je suis charitable, dit Thérèse, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus j'aime toutes mes sœurs.
Il y a un événement, donc, dans le prix central de la vie de Thérèse. Elle le vit à peine 14 ans. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'elle raconte ça en un seul paragraphe, pratiquement, sans revenir à la ligne. Et vous avez deux événements racontés en un seul paragraphe. Premièrement, la communion eucharistique la transforme. Et là, on est à Noël 86. Et ensuite, en juillet 87, elle voit dépasser de son missel pendant un office à la cathédrale de Lisieux. Je ne sais pas si vous voyez devant. En tout cas, elle voit à peu près ça. Donc, vous voyez ce vitrage. Donc, elle voit une image qui ressemble à ça, vous retirez du vitrage et les personnages, vous en rajoutez un autre, Marie-Madeleine, au pied de Jésus. Hyper sort, vous retirez aussi le sang, elle voit même pas le sang. Ici, il y a le sang. Et elle vit un événement. Moi, j'aime beaucoup, je suis complètement fasciné par cette histoire, puisque cette histoire va nous donner Thérèse de Lisieux et tous les autres, y compris Mère Thérèse. Vous vous rendez compte, si il ne s'était rien passé ce jour de juillet 97, on n'aurait pas eu Mère Thérèse. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit cette image apparemment banale. On fait mieux au niveau artistique. Et elle voit le sang de Jésus, alors que sur l'image, il est mort. Mais elle le voit. Elle voit le sang qui coule par terre, carrément. Et personne pour l'embrasser. Le sang coule. Et non seulement elle voit, mais elle l'entend. Évidemment, pas des voix. Mais il semble entendre le cri de Jésus sur la croix, qui retentissait aussi continuellement dans mon cœur, j'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à voir à mon bien-aimé, je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Thérèse, ce jour-là, comprend, commence à comprendre de l'intérieur que l'amour de Dieu est un amour de miséricorde, car il se fait mendiant. J'ai soif. Et elle comprend que ce Dieu ne réclame pas de nous des bonnes œuvres, mais de l'amour. D'abord de l'amour. Il a soif d'amour. Et ça, c'est l'expérience de la prière, non plus seulement comme présence à Dieu, mais comme participation, finalement, au sentiment qui habite Dieu. Participation aussi à son œuvre de rédemption. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion. À un moment, on voit un geste posé par la Vierge Marie, parce que son fils est crucifié. Recueille son sang. Même avant, au moment de la flagellation. Mais au moment de la crucifixion, elle répand sur son visage. Et Thérèse va sentir un appel. Répandre le sang de Jésus sur les âmes. Et cet appel, des sœurs, n'est pas seulement l'appel de Thérèse. C'est l'appel de tous ceux qui ont rencontré Jésus.
ce sang qui coule en permanence de ses plaies glorieuses. Paradoxalement, ce sang a besoin d'être recueilli. Ce sang a besoin d'être répandu. Alors cette image va la poursuivre toute sa vie. Elle va écrire sur cette image d'ailleurs. Parole de Jésus, j'ai soif. Mais aussi les paroles de Jésus à la Samaritaine, donne-moi à boire. Les paroles de Jésus à Saint-Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et elle a copié la réponse de Pierre, tu sais que je t'aime. Mais aussi la prière du publicain, prends pitié de moi, pécheur. Ça, c'est la prière de Thérèse qui s'expose à la soif de Jésus, qui découvre que ce Dieu, qui parfois était un peu confondu avec Jupiter dans le jansénisme, et qui a produit un athéisme violent, quand on se trompe sur Dieu, on produit l'athéisme. Et bien ce Dieu, c'est un Dieu qui a soif d'amour et il se fait petit pour mendier cette soif. Petit quand il devient petit enfant, petit quand il est défiguré dans le mystère de la Sainte Face. Jésus brûle d'amour pour nous, écrit-elle à sa sœur Céline. Regarde sa face adorable. Regarde ses yeux éteints et baissés, regarde ses plaies, regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. Ce Dieu se fait pauvre, petit, jusqu'à se cacher dans le mystère de l'Eucharistie, le troisième abaissement, qu'elle juge le plus fort, le plus humble. Et elle commande à sa cousine qui n'ose pas aller communier. Jésus est malade. Il faut remarquer que la maladie de l'amour ne se guérit que par l'amour. Marie, donne bien tout ton cœur à Jésus. Il en a soif. Il en est affamé. C'est un Dieu de miséricorde qui va donner son cœur aux misérables. Alors Thérèse, donc, ce jour-là, juillet 97, 14 ans, décide de se tenir là, en esprit, pied d'accord, glorieuse, j'ajoute, mais elle est glorieuse, car elle est ressuscitée. Et désormais, elle comprend que c'est par la prière et le sacrifice qu'elle va répandre ce sang sur les âmes. Prière. C'est la prière, c'est le sacrifice qui prend toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. Je me fais bien souvent l'expérience. Voilà le message de Thérèse. La prière en présence à Dieu, une prière qui nous fait participer à l'œuvre de Dieu, qui est une guerre à mener ici-bas. Oui, l'Apocalypse nous dit qu'ils sont en guerre. C'est la guerre. La guerre n'est pas que un peu loin chez nous. Elle est là. Nous sommes en guerre. Déjà, l'apôtre Pierre écrivait, le démon, comme un lion puissant, rôde. Alors, résistez-lui.
Oui, mais alors, prenons les armes. Quelles sont ces armes? La prière, le sacrifice, la prière. La prière, je cite Thérèse. Un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je sauverai le monde. Ce qu'Archimède a pu obtenir, parce que sa demande s'adressait grand à Dieu, et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel. Les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'horizon qui embrasse leur feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore vivants le soulèvent. Que jusqu'à la fin du monde, les saints venir le souhaiteront aussi. Thérèse est très sérieuse lorsqu'elle dit ça. Attention, elle ne pourrait pas interpréter les choses en disant voilà, on est dans la spiritualité un petit peu doucereuse. Thérèse est une femme de guerre. Et c'est pourquoi elle se retrouvait dans des figures comme celle de Jeanne d'Arc. Et elle prend les armes. Et en même temps, c'est une petite enfant. Et ce qu'on a vu au début, prière, c'est d'être ce petit enfant dans les bras de mère, cet époux dans les bras de l'époux. Mais ici, la prière, elle devient responsabilité. Pour mener le combat qui est en train de se mener ici-bas. Première expérience très forte de Thérèse, un certain Transigny était condamné à mort à l'âge de 31 ans car il avait égorgé deux femmes et une petite fille pour commettre un vol. C'était exactement le 7 mars 1887. Et son procès s'est achevé le 13 juillet 1887. Thérèse va voir dans le journal qu'il y a un condamné à mort. Et elle se dit, celui-là, ça sera mon premier enfant. Je vais l'arracher à la terre. Elle a cette intuition. Celui-là qui a tué 3 personnes, il est bon pour l'enfer. Donc, on va y aller. En guerre. Comment? Par la prière. Écoutez bien. Sentant que moi-même, je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur. Les trésors de la Sainte Église, enfin, je priais Céline, sa petite sœur, sa grande sœur plutôt, de faire lire une messe dans mes intentions. N'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour transiger le grand tribunal. Elle a tout de suite l'intuition qui sera aussi donnée à Sainte Faustine, plus tard, par Jésus. Dans ce qui va lui donner la prière de la miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme, la divinité pour fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés de ce monde entier. Thérèse a dit cette prière autrement, le siècle d'avant. Elle a compris le sacerdoce baptismal qui est le nôtre, chacun. Voilà l'âme. Que Jésus nous donne, nous avons le pouvoir, il y a le pouvoir, par la prière, de répandre son sang sur des situations très précises. Alors, vous connaissez la suite. La suite, c'est que Thérèse était sûre d'être exaucée, mais quand même, elle demandait un petit signe. Tout de suite, il s'est converti, en plus, tout
avez fait de lire le Pantouin. Je ne croyais pas les avoir lire en lisant les passages qui parlaient de Prantini. Le lendemain de son exécution, je trouve sur ma main le journal à la croix. Je l'ouvre avec empressement et courage. Ah, les larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Prantini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou. Quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par trois fois. De celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Elle dit que les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Elle l'est exaucée. Et Thérèse, aujourd'hui, a ce message pour chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné Faustine. Et que l'Église a proclamé Thérèse docteur de l'Église en 1997. Ce message est pour nous. Nous avons une arme invincible, celle de la prière. Ne laissons pas le sang de Jésus couler sans le ramasser et le répandre sur les âmes. Il y a une deuxième arme qui est celle du sacrifice. On n'aime pas trop entendre ce mot sacrifice, pourtant c'est un mot qui est beau. On va essayer de le nettoyer un peu. Sacrifice, faire le sacré. Le sacrifice, c'est ce qui est rendu sacré. Le sacrifice, c'est pas quelque chose de pénible. Sacrifice, c'est une offrande. Dieu, quelque chose qui est rendu sacré. La différence, l'inverse du sacrifice, c'est le profane. Profane. Alors, l'arme du sacrifice, Thérèse dit que c'est l'arme, c'est la prière et le sacrifice. Alors, n'oublions pas le sacrifice. Car nos prières sans sacrifice risquent d'être un peu plates. Un peu fausse, j'allais dire. Puisque si le sacrifice consiste à donner à Dieu, si nous n'avons rien à donner à Dieu, où est notre amour, où est notre prière? Prière, c'est un pain de sacrifice. Et pour Thérèse, le sacrifice que nous allons rendre à Dieu, premier sacrifice, c'est cette offrande de nous-mêmes. Alors, je l'ai vu, c'est pas Thérèse qui l'a découvert. Je trouvais ça dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frère, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, sur la votre culte spirituelle. Alors, l'intuition de Thérèse, c'est que Dieu a un cœur brûlant, qui est une source miséricorde. Et ce cœur
va pas penser de nos cœurs. Ce cœur brûlant va rejoindre les profondeurs de nos misères, mais il ne va rien forcer en nous. Alors, il attend les mendiants de quoi ? De notre misère. Et l'entrevaille de Thérèse, c'est son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Si tu as conscience d'être ce pauvre devant Dieu, parfois tu me miseras, alors tu peux faire cet acte dans toi-même à la miséricorde. Et ça, c'est le sacrifice par excellence. On peut se lever les manches. Donc, volonté, faculté sensible.
ce sont aussi les sacrifices, pardon, les sacrifices. Alors les sacrifices, c'est vrai que ça dépend comment vous les intéressez. Si vous lisez d'abord ce qu'elle a fait au début, ou si vous lisez ce qu'elle faisait à la fin. Donc moi je préfère attendre à la fin, et à la fin, elle découvre quand même que ce qui est le plus important, en fait, les sacrifices, ce sont tous les petits actes d'amour à ne pas négliger. Les plus petits actes d'amour. Comme écrivait sa sœur Léonie, qui désormais s'appelle sœur Thérèse Bosité en religion, blessons Jésus par notre œil et par un seul cheveu, c'est-à-dire par la grande chose et par la plus petite. Ne lui refusons pas le moindre sacrifice. Tout est si grand en religion. Ramasser une épingle par nous peut convertir une âme. Quelle misère! Ah, c'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces. Et elle dira à sa sœur Marie, le Sacré-Cœur, peu de temps avant sa mort, était épuisé. Et elle tenait quand même à faire une promenade d'un quart d'heure. Et elle écrit, elle dit plutôt, c'est vrai, mais savez-vous ce qui me donne des forces? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques. Et pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes, mon Dieu. Et puis, le sacrifice d'amour, par excellence, chez Thérèse, c'est son sourire qu'elle va réserver à ceux qui ne peuvent pas rendre, comme dit la parole du festin. Lorsque tu donnes un festin, invite d'abord, n'invite pas tes amis, invite les estropiés, les aveugles, les pauvres. Alors, elle va livrer son plus aimable sourire à Sœur Thérèse de Saint-Augustin qui a le talent de lui déplaire en tout. Sourire quelque peu héroïque, certes, mais qu'elle fait plutôt à Jésus caché au fond de son âme. Et puis il y a la vieille sœur Saint-Pierre, infirme, d'humeur blancheuse. Je bénéficie aussi de cette faveur, après l'avoir conduite à la place du réfectoire, lui avoir relevé une manche et coupé le pain dans son godet. Thérèse lui adresse son plus beau sourire. Le sacrifice de l'amour. Voilà la première, le premier des sacrifices à sacrifier de nous-mêmes. Et enfin, on peut aussi parler des sacrifices qui nous coûtent, c'est-à-dire de la souffrance unie à l'amour. Je cite Thérèse, la souffrance unie à l'amour. Car tel est le mystère de notre participation à la passion du Seigneur dans le corps, dans son corps qui est l'Église. Lorsque notre souffrance est unie à l'amour, alors il y a une œuvre de rédemption. Thérèse écrit à Céline, Jésus veut que sa petite fleur lui sauve des âmes. Il ne veut pour cela qu'une chose, que sa fleur le regarde en souffrance martyre. Et c'est ce mystérieux regard échangé entre Jésus et sa petite fleur qui fera des merveilles et donnera à Jésus une multitude d'autres fleurs. Le regard, elle ne lâche pas Jésus du regard. Pas même dans les vallées des ténèbres. Lorsque il écrit ça, lorsque son père
est interné parce qu'il fait une crise de folie. Et tout le monde dit, beaucoup en tout cas disent, c'est la faute de Thérèse qu'il est devenu fou. Rendez-vous compte, il y a un troisième fille qui rentre, Carmen. Et si jeune, à 15 ans, il est devenu fou. Troisième sacrifice, qui finalement est pour Thérèse le sacrifice de la solidarité avec les pécheurs. À Pâques 96, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant sa mort, Thérèse ne ressentira plus rien, ou presque, de la présence de Dieu. À la place, l'angoisse, les ténèbres. Elle n'ose pas en parler, dit-elle, par peur de blasphémer. Mais c'est quand même dans cette période où elle va écrire le chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de la littérature spirituelle, qu'est le manuscrit B. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans cette nuit, elle a le sentiment d'être assise à la table des pécheurs. Elle sait que bon nombre de gens ne croient pas en Dieu. Et elle a l'impression d'être assise dans le néant. Seigneur, votre enfant vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous voudrez le pain de la douleur. Ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mange pauvre pécheur avant le jour que vous avez marqué. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Voyez la différence entre Thérèse qui a 23 ans et la Thérèse, elle avait 14 ans. La Thérèse, elle avait 14 ans, parlait de Randini, son premier enfant. Tandis que là, elle dit non. Elle dit pas lui. C'est pas pour lui. Elle va dire non. Au Seigneur, envoyez-nous justifier. Voilà le sacrifice qu'elle nous propose. Non pas tenir comme on dort, comme des pharisiens à l'époque, mais être solidaire comme Jésus, solidaire de tout homme pécheur. Rappelons-nous les angoisses de saint Dominique, passer ses nuits en prière, l'angoisse que vont devenir les pécheurs. Tu fais partie, je fais partie de cette humanité. Qu'aucun ne soit perdu. C'est la prière de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus. Voilà la dimension du sacrifice. Nous allons conclure. Dimension, voilà, la prière de Thérèse, c'est donc cette prière qui nous met sous le regard transformant de celui qui est Père, Époux de notre âme, qui se fait notre frère, qui devient enfant. Communion qui nous transforme, nous donne de vivre d'amour. C'est ça la prière. Et puis la prière, c'est cette âme, ce levier qui unit un sacrifice à soulever le monde. Alors pour finir, pour être un peu complet, je peux dire que Thérèse ne prie pas seule, elle prie toujours avec la Sainte Vierge. Qui est d'accord, il y a la Sainte Vierge, il y a aussi Saint Jean.
En fait, elle rentre dans ce mystère de la Sainte Vierge, qui elle-même aussi va répandre le sang de son Fils directement sur les âmes. La prière de Thérèse, la prière de l'Église, c'est notre prière, mais c'est d'abord la prière de la Vierge, qui est médiatrice, unique, médiateur. Et Thérèse a trouvé sa place aux côtés de Jean, l'apôtre. Mais attention, elle va dire, non pas devant, derrière. Et comme elle l'écrira, Père Roulant, missionnaire en Chine, moi, je vais faire bien des choses, plutôt absolument rien. Si j'étais seul, ce qui me console, c'est qu'à vos côtés, je puisse servir à quelque chose. En effet, le zéro par le 1 n'a pas de valeur, et placé près de l'unité, il devient puissant. Pourvu toutefois qu'il serait du bon côté après, non pas avant. C'est bien là que Jésus m'a placé, et j'espère rester toujours en vous suivant de loin par la prière et le sacrifice. Thérèse vit la prière avec la lumière. Elle est comme Moïse en haut de la montagne pendant que ses frères et ses sœurs à la poste-là sont sur le front. Elle a les mains levées vers le ciel. Alors, quand on pense aux apparitions de la Vierge, notamment à la Salette, où, comme vous savez, elle appelle la prière, et elle dit « Je n'arrive plus à me soutenir les bras de mon fils ». Oui, parce que nous avons besoin d'être là aussi, non pas parce que si on n'était pas là, le bras de son fils nous donnerait dans la clé. Ça, c'est l'interprétation complètement fausse. Souvenir le bras de Jésus, c'est être là, oui, au pied de la croix, pour répandre son sang par les âmes, la prière, le sacrifice. Et la Sainte Vierge le demande à la fenêtre. Elle va le demander en France, notamment à Thomas. Mais priez, mes enfants, Dieu vous écoutera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et puis, dans bien d'autres lieux, on pense aussi à Fatima. Le message de la Sainte Vierge vient comme donner aussi un saut d'authenticité au message de Thérèse, qui nous redit aujourd'hui que nous sommes aussi les apôtres de ces temps nouveaux par la prière, par notre prière. Cette prière va se vivre dans le sourire, ce sera ma conclusion, le sourire de Marie, qui est le sourire de l'amour et le sourire de la victoire. Oui, la victoire est acquise. C'est pourquoi cette prière avec Thérèse, l'école de Thérèse, sera toujours une prière, une alliance secrète dans le sourire de Marie.